Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour le live Super Mario Bros. Wonder. On y va comme chaque mercredi. Et mine de rien, on avance plutôt pas mal. Bonsoir Démon Vif, je vais très bien et toi? Et on se lance avec Mario. Comme toujours, quasiment. Donc désert cuisant, on avait fait pas mal de choses déjà. J'aime beaucoup ce monde. Il y a des niveaux cachés un peu partout. Et d'autres choses encore. Tiens d'ailleurs, point d'interrogation, énigme des tuyaux, on va commencer par ça. Ça va? Est-ce que t'as continué de ton côté Super Mario Bros. Wonder? Il me semble que tu m'avais dit la semaine dernière que tu étais aux chutes dorées. Tu as terminé le monde des airs cuisants, ok. J'aime beaucoup. Trouver tous les jetons prodiges cachés dans la place. Allez, c'est le troisième monde comme celui-ci qu'on fait. Regardez, il y a l'ombre de Mario. C'est bien fichu hein, aussi. On voit l'ombre. Oh là, d'accord. Je peux rentrer dans tous les tuyaux. Est-ce qu'il va falloir tester tous les tuyaux? Oui, il y a plein de niveaux cachés. J'aime beaucoup. Ah oui, j'ai le badge. Ok, j'ai le badge grand saut quand je m'accroupis. D'accord. Toujours pareil, il faut qu'on voit un petit peu ce que donne ce niveau. À quoi ressemble ce niveau? Alors, attendez, hop. Voilà, j'étais en train de faire un petit truc en même temps. Ça y est, je suis à fond concentré sur Mario. Sur Mario. Donc là, je peux pas y entrer. Là non plus. Là non plus. Je teste tout. D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. L'arrière-plan des niveaux est absolument incroyable. Ça nous en met plein la vue, c'est très beau. Je suis entré là. Mais pourquoi faire? D'accord. On va trouver au bout d'un moment. Ça que j'aime dans ce genre de niveau énigme, c'est qu'on est un petit peu perdu au début et on doit chercher vraiment ce qu'il faut faire. Bon, je tente d'abord de rentrer dans tous les tuyaux. Alors. Très bien. Déjà un. Ok. Non, tu reviens Mario. Ah ouais, ok. Comment je fais là? Le coquinou. Parce que si je le lâche, hop, il rentre. Ah ah. Il me faudrait une plateforme ou quelque chose du genre. Attendez, j'essaie de revoir les mécaniques de jeu. Allez, viens. Viens à moi. Oui, les animations des tuyaux sont vraiment chouettes. Non, non, vraiment, ils ont fait un gros travail de nouveauté là-dessus. Tout est sympa dans ce jeu. Et là j'aime beaucoup donc ces énigmes. Ça fait réfléchir. Donc là, on ne dit rien. Je cherche. Alors, si je fais ça, j'appuie sur les boutons. Il y a un truc que je dois pas faire correctement, sûrement. Pourquoi il me dit le prince Florian, là? Qu'est-ce que tu veux? Ah mince. Voilà, donc peut-être qu'il fallait ça.
Je ne sais pas, voilà, ça y est. On a trouvé. Parfait. Le premier. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. Le premier, la première pièce est à nous. D'accord. À vous maintenant. Là, là, non. Je vais faire les tuyaux à gauche. Je les ai pas tous faits du tout. Ok. Ah non, lui, je l'ai fait. Ouais. Donc j'en étais là. D'accord, peut-être qu'il y en a un qui va déboucher ailleurs. Ce serait sympa. Non plus. Ok, on tourne en rond. Est-ce que j'ai essayé lui et lui? Je sais plus. Oui, je l'ai fait lui. J'essaie de retenir. Yes, merci, démon vif. Oui, j'ai dépassé les 50 followers. Il n'y a pas si longtemps que cela. Ça y est. On a trouvé. Voilà. Ah, elle est au premier plan. Oui, merci pour ton GG, démon vif. Je sais plus si je l'ai dit. Yes, ça augmente petit à petit. C'est chouette. Ah, mais d'accord, ok. Le tuyau à droite est au premier plan également. Donc il faut pouvoir, je pense qu'il y a une autre entrée, en toute logique. Bon, je verrai si je reviens ici, ou non. Alors l'entrée, ok, c'est le deuxième tuyau là au milieu. D'accord. J'essaie tous de droite à gauche, même si j'ai déjà. Voilà. Droite à gauche. Bon, je pense qu'il n'y en a qu'un qui mène ailleurs. Mais bon, dans le doute, il vaut mieux tous les passer en revue. Tu trouves que ça ressemble un peu à de la 3D sur Super Mario 3D Land sur DS? D'accord. J'ai jamais fait. Mais c'est possible. Salut. Bien. Waouh. On en a trouvé une. On en a vu une deuxième. Donc c'est le monde des tuyaux ici. Waouh. C'est pour ça que je tenais à le faire maintenant, celui-là, parce que il peut nous durer un petit moment. Ah! Qu'est-ce que tu tapes, Mario? Il se tape la tête. Alors attendez. Peut-être qu'il faut sauter là. Ah mais c'est bloqué. Ah mais non, mais il y a quelque chose au-dessus. Mais voilà. Ah. Les coquins de chez Nintendo. Allez, donc la deuxième pièce qui est en fait la troisième dans l'ordre, on voit là-haut.
Ah mais d'accord, ok. C'est plus simple comme ça, en effet. En plus, j'ai hésité tout à l'heure. J'ai essayé du côté gauche et j'ai pas essayé du côté droit. J'aurais dû. J'aurais dû suivre mon instinct. Est-ce que t'as galéré un petit peu sur ce niveau des monts vifs? Et là, il y a un tuyau. Ah mais là, regardez. Il faut peut-être que je change de badge. Il y a un tuyau. Il te semble? Là, il y a un tuyau. En fait, on voit pas trop. Enfin, on a l'impression que ça fait partie du mur. Mais je pense qu'il y a un tuyau et on peut peut-être rentrer là-dedans. Mais je peux pas sauter plus haut. Ah, mais bien sûr. Excusez-moi. Mais voilà, mais... Voilà, et alors... D'accord. Sur 5. La quatrième, on sait où aller. On sait toujours pas comment y aller pour l'instant. Là, regarde, je regarde l'arrière-plan. C'est super chouette avec les points d'interrogation. Vraiment qui font effet de gigantisme. Surtout celui-là, là, juste derrière nous. Et au fond, c'est super beau. Très très bien réussi. Alors, je vais revenir là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de caché? Est-ce que cette pièce nous indique, enfin, sert simplement à nous indiquer que c'est pas le bon chemin et qu'il faut emprunter un autre tuyau? Ah, si j'étais dans Hogwarts, je ferais un petit axio pièce et on l'aurait tout de suite. Bon, je sais pas. Je saute. Alors, à chaque fois que je saute, j'essaie de voir s'il y a pas un bloc caché, etc. Même si je fais ça, là, bon, on est d'accord, c'est du premier plan. Mais ce qui est bizarre. Bon, c'est qu'au second plan, enfin au plan où je suis, je marche là sur le sol. Ouais, je sais pas trop. Il n'y a pas une porte, je sais pas. Je sais pas. Mais attention, on donne pas d'indices, ni de spoil, attention. Alors tu as parlé d'une porte, alors du coup je vais vérifier. Ah mais il y a de l'ombre. Non. Une porte. Alors peut-être pas ici. Je vais retourner à droite, on sait jamais. Mais je pense pas. Non. Tu te souviens même plus? T'as fait beaucoup de niveaux après celui-là, je pense. Mais c'est bien ça, parce que ça veut dire que si un jour tu veux le refaire, t'es obligé de réfléchir à nouveau à comment résoudre les énigmes. C'est chouette. Voilà, comme ça, tu réfléchis en même temps que moi. Mais je ne veux pas d'indices. Donc là, on l'a fait, on est rentré partout, on est même allé là-bas. D'ailleurs, je suis allé là-bas.
Et on n'a pas trouvé quelque chose de bien probant. Ce qui est assez bizarre en soi. Oui, c'est vrai, il est différent. Même si ça reste toujours un jeu de plateforme. En soi, comme les Mario, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, c'est sûr. Il y a beaucoup de gameplay, de mécaniques de jeu différentes. Il y a quoi à faire dans ce petit coin là? Et ça, par exemple, c'est quelque chose de différent qui n'existe pas dans les autres Mario. Donc c'est vraiment sympa. En plus, c'est vraiment... En plus, c'est ça, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose de différent et qui rend le jeu encore plus intéressant. Voilà, qui ne rend pas plus lourd, mais au contraire, plus agréable. C'est bizarre, cette pièce me taraude. Tu as un bug de réseau sur ton PC, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un grand tuyau, là. Vous voyez le tuyau à droite, qui grimpe? Mais des fois, il faut grimper tout en haut. Attendez, je vais essayer quelque chose. Ah, la caméra ne veut pas suivre. Ah, ça bug. Du coup, tu vois peut-être en saccadé. Ouais, des fois, il vaut mieux changer de matériel. Mieux sur le portable. Mais je veux rentrer dans ce tuyau là à droite. Je le veux. Il me semble que j'ai fait tous les tuyaux. Je vais quand même revérifier. Dans le doute. Ouais, ça c'est les tuyaux qui bougent. Non. Non, là pour l'instant je sais pas à quoi sert ce coin. Ok, je réessaie. Je réessaie des choses, même si je les ai déjà faites, c'est pas grave. Oui, même le sound design est vraiment cool. Tu as raison. Et ça aussi, un truc qu'il n'y avait pas avant, dès qu'on fait l'attaque rodéo, hop, on peut rentrer directement dans un tuyau. Ça n'y était pas avant. Bien, bien, bien. Alors je vais... faire ça, non. J'ai l'impression que je peux pas aller plus haut d'ici. Non, je peux pas aller à droite. Je sais des choses. Mais là, ça me... Non, je n'ai pas de serveur Discord, démon vif. Je n'en ai pas.
Alors là, je vous avoue, je suis un petit peu coincé pour l'instant. Donc ils disent bien de s'aider des autres persos. Peut-être comme j'avais fait pour la toute première énigme du jeu. Alors c'est-à-dire les notifs Twitch, qu'est-ce que Discord, parce que du coup je sais pas trop. En fait j'ai mon Twitter qui me permet de justement de mettre les annonces. J'annonce les let's play, j'annonce si y a un live qui est annulé ou s'il y a un changement quelconque. Voilà, puis je mets 2-3 autres choses aussi. Là, je vois pas du tout. Je ne vois pas. Je vais quand même vérifier une fois. Et sinon, je reviens avec un autre perso. Et sinon, attendez, je peux pas aller à gauche? Non, je peux pas, il n'y a rien. Là, je vais essayer d'aller... voilà! Le grand Mario, le géant Mario. La quatrième pièce, on y arrive. On y arrive. Faites voir, et justement, alors là, je vais vérifier quelque chose. Voilà, je vais vérifier. Tant qu'on est au premier plan. Oh non, c'est sympa, démon vif. Pour l'instant, je vais pas faire de serveur Discord. Pour l'instant, je gère mon compte Twitter et mes deux chaînes YouTube et Twitch. Ça me prend déjà beaucoup de temps. Après, à voir. Je verrai par la suite comment ça se passe. Voilà. Mais j'y réfléchis. Mais c'est sympa de proposer, merci. Bon, on a eu 4 pièces. En farfouinant à droite à gauche, ça sert. Du coup, en fait, je cherchais une entrée pour le tuyau jaune en bas, je l'ai trouvé. Et là, moi, c'est cette pièce là avec le tuyau qui nous barre la route, qui grimpe dans le niveau, qui me titille. Ça y est, ton PC s'est calmé au niveau bug. Tant mieux, tant mieux. Oh, ça arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde, malheureusement. Tous ces bugs informatiques. Hier, j'en ai eu. En plein live. Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici. Voilà, pour l'instant, je me dis ça. Parce que, en soi, je ne vois pas pourquoi on pourrait accéder à ce lieu sans qu'il n'y ait rien à faire. D'accord, tu penses que ça pourrait venir de ça ? Du fait que tu sois dans une vieille maison avec des branchements... pas très bien fait. Possible. Ou est-ce que ta connexion est stable ou... C'est du triphasé? D'accord. Après, je m'y connais pas assez pour... Regardez. Mais improbable, improbable. Voilà, donc c'était bien là. Mais improbable, comment on peut se dire, tiens, Mario va pousser le tuyau? Voilà, en tâtonnant en fait. Au bout d'un moment, ça finit par payer. J'adore ces niveaux.
All right. Ah, j'en veux encore. Ah tiens, toi. Ah mais non. Ah mais non. Ah si, c'est bon. Je l'ai fait. Donc je vérifie le petit coin de désert ici. Lui... Ah oui, bah j'ai... Badaba. Nous avons un peu de tout pour toi. Je sais. C'est pour ça que je viens te voir. On est quasiment au maximum de pièces, donc je vais... je vais... Bah allez, hop là. Voilà. Des lots de champignons, on y va. J'ai combien de vie? 50. Je risque pas bien de perdre avec ça. Voilà, et puis après je prendrai un... Voilà, un petit panneau surprise pour l'instant qui me sert à rien. Il fallait trouver celui-là. Mais dans ce genre de niveau, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, sinon on trouve jamais. Oui, là on a beaucoup de vie. Mais je trouve que c'est plus sympa. Avant, donc les jeux... Moi, mon premier jeu vidéo, d'ailleurs, c'était Super Mario Bros. 2. Donc ça remonte. Le jeu était très dur. Nombre de vie assez difficile. En fait, voilà, la durée de vie de jeu était basée sur la difficulté du jeu, à terminer le jeu. Puisqu'on avait peu de vie, enfin, c'était difficile d'avoir des vies. Et dès que le personnage n'avait plus de vie, on recommençait du début. Et puis au fil du temps, on a bien vu, hein, suivant les nouveaux jeux, que ça avait changé. Et je trouve ça plus agréable. Regardez Super Mario Odyssey. Là, il est même plus question de vie. Et ça, je trouvais ça vraiment très agréable, pour le coup. Chacun ses affinités. Mais ah, et le pont. D'accord. C'est quoi, tu me parles du Lost Level? Ça me parle pas, ça. Ah, et le pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Je réparais bien ce pont, mais flétri comme je suis, je n'ai plus aucune énergie. Quoi? Tu me donnerais des pièces fleurs? Eh bien voilà. Super, avec ça, je vais pouvoir réparer ce pont. Et puis ça? Deux coups de pioche et ce sera réglé. Je te laisse, petit popeline ouvrier. Et voilà, un pont réparé est encore plus solide qu'avant. Tu peux le traverser autant que tu veux. Merci. Ce n'est pas un pont éphémère, tant mieux. Flambant neuf. Bah non, je pense pas. Je pense pas, celui qui était sorti qu'au Japon. Ah, il y avait une version. Tu parles duquel? Tu me parles de Super Mario Bros. 2, celui dont je parlais tout à l'heure. Je savais même pas qu'il y avait une version que au Japon, qui était très très dure. Encore plus, apparemment. 1, 2, 3, hop. Oh, le pont est réparé. Voilà une nouvelle qui me ravit jusqu'au pétale. Je vais enfin pouvoir retourner voir une danse ninja. Bah, je te le conseille parce que c'est vraiment chouette. Tu as déjà entendu parler du spectacle qu'on peut aller voir sous la colline située derrière l'oasis? Je crois que c'est la cascade. Hein. Oui, c'est ça, celui où l'on peut jouer Peach, Todd. Tout à fait. Mais je vois que tu as gagné le badge saut en rythme. C'est formidable, je ne suis pas prêt de voir le mien, on dirait. Il faut que je redouble d'efforts et que je m'entraîne à sauter. Mais je t'en prie. Eh, c'est parti pour pousser chez les Poussumos. Il y a une version encore plus dure de Mario Bros 2. D'accord, j'imagine même pas. En même temps, j'étais très très jeune. Mais je l'ai refait il y a pas longtemps. Toujours aussi... Enfin, il est assez dur. Allez, on pousse. Hey, mais toi... Ah oui, d'accord, tu vas m'embêter. Oh, tu vas m'embêter. D'accord. Parfait, ça. Donc j'ai vu, hein, y avait ça. Ah, parfait. Allez, combat. Combat. Oh, allez, vas-y. Voilà, parfait.
Est-ce que là, il y a quelque chose de caché ou pas? Ah oui, je peux pas les avoir, ces petites boules. Si, comme ça. Hop là. Oui, un métier à jouer. Tout à fait, des soleils dans les jarres. Enfin, c'était soleil. C'était les espèces de masques. Les masques dans les jarres. Et d'ailleurs, ces boules là, électriques, je pense que c'est tiré de ce jeu-là, de Mario Bros. 2, parce qu'il y avait ça. C'était horrible. Je détestais ça. Ces boules qui nous... Encore là, elles sont gentilles. Elles vont doucement. Mais dans Mario Bros. 2, attention. Ah, je peux rentrer à moitié là. C'est bizarre. D'accord. Je suis caché. Très bien, je suis caché. Mais je suis où? Je peux pas revenir. Ah. Mince, j'ai pas compris. J'ai dû louper quelque chose. D'accord. Je regarde un petit peu. D'accord, ok. Oula! Oh oui, joli, joli, très 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 belle poussée. Et là il manque une porte. Et là je comprends pas. Pourquoi il y a Florian qui veut me parler? Et comment je fais du coup? J'essaie les boutons. Je sais pas. C'est Florian, le prince Florian. C'est toi qui m'as invoqué ? Ok, oui, c'est moi. Génial cette animation, j'avais jamais vu encore les fesses de Mario éléphant qui ne passent pas par la porte. Attention, une fleur hallucinogène, c'est parti. D'accord. Un Bowser doré, une statue dorée. Qu'est-ce qui nous tombe dessus? Allez, allez, tu peux le faire. Comment je fais là? Il y a une fleur qui m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire écraser. Attention, une crêpe de Mario, éléphant. Et c'est terminé. Oh non! Ah ah! Comment je vais faire? On va voir ça. Ça, c'est ok. Ah, mais il y a une porte ici. C'est-à-dire... tu savais que tu pouvais les panneaux. C'est-à-dire... J'ai pas compris ta phrase. Ça... Ok, ça les secoue un peu. Ah, bien vu, merci. Oui, alors ça, ça c'est pas du spoil, ni de... Ce sont les mécaniques de jeu, enfin, voilà. Non, je ne savais pas, merci pour ça. D'accord, mais c'est ça, ça sert pour quand on est en ligne, hein. On est d'accord. C'est une espèce de checkpoint ou de point de... Plutôt un point de... Ah, comment on appelle ça? Un point de sauvegarde pour les autres joueurs? Il me semble. J'avais vu ça dans la vidéo de lancement du jeu. Enfin, dans le Nintendo Direct ou je sais plus. Ok.
Ah mais du coup, ah mais je me suis fait avoir. Je me suis fait totalement avoir. Quoique. En fait, j'ai pas très bien. Ah mais si, d'accord, j'ai compris, c'est une porte, c'est une moitié de porte. En bas et une moitié en haut. Un petit peu un labyrinthe ici. Ça me fait justement penser à un niveau qui pourrait ressembler à ceux de Mario Bros 2. Pas de soucis, à dans 5 minutes. Hey! Alors, très cher ami. Ouais, mais comment je peux casser ça? Avant de l'éliminer, lui. Ouais. Mais là, après, si je fais ça, mais si je peux revenir. C'est la fin. Il me manque une pièce. Ah oui, mais je suis pas allé voir Bowser, moi, du coup. Enfin, la statue. C'est pas grave, on va le refaire. Ah, mais non, mais je peux aller avec l'éléphant, non? D'accord, il y a un truc, des pièces, peut-être. Est-ce qu'il faut que je place ça? Ok. Hey, salut toi. Qu'est-ce que tu dis? Attends. Je t'ai pas entendu. Où tu vas comme ça? Ah, ok. Bah je m'en vais. J'ai d'autres chats à fouetter. Là. Mais c'était pas le vrai panneau alors. Enfin, le vrai drapeau. C'est bizarre. Et là. J'ai envie d'aller voir, mais je pense qu'il n'y a rien. Ok, ok. Pourquoi tu pousses alors que de toute façon ça ne bougera jamais? Ah mais il y en a trois ici? Premier niveau, il y en a trois de graines. Ah mais non, c'est bon. Donc c'est bien Y en courant, bien sûr, avec plus, pour pousser avec plus de force. Pourtant, tout à l'heure, c'est ce que j'avais fait avec la statue de Bowser. Bon, on va retenter. Allez, on pousse. Allez vite, allez vite, allez vite. Je veux juste voir ce qu'il y a là-dedans. J'ai oublié déjà. Ok. Alors, avant de partir d'ici, d'accord. Ok, en fait, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais sans être passé au premier plan. Attendez, je vérifie quand même. Si à gauche et à droite, il n'y a pas quelque chose. Il est beau, cet énorme Mario éléphant.
Donc, on va aller voir Bowser, la statue dorée de Bowser. Donc, il me manque 2 graines plus 1 pièce. C'est toi qui m'as invoqué ? Mais lui, on dirait qu'il est possédé par de la magie. C'est pour ça qu'il est fort. Et ça, vite. Alors ça, c'est quoi ? Ça faisait quoi, déjà ? Un champi, mais on s'en fiche. Allez ! Je comprends pas. Hein. Là, j'arrête d'appuyer sur Y. Ou alors, je fais ça. Je comprends pas. Pour l'instant, je ne comprends pas. Les badges ne me servent pas à grand chose. Il faut que je fasse... Je sais pas. Il faut que je cours sur lui, je sais pas. Je vois qu'il y a une porte en haut. Mais non, mais c'est la porte d'où je viens. Je réfléchis en même temps qu'il galère. Ah non, il faut aller là. Parce que la fleur m'appelle à droite. Vas-y, pousse. Non mais... Non, il y a un truc à faire, parce que là, il est surpuissant à gauche. Je ne peux rien faire, et là... Ok. Bah voilà. Tout bêtement, c'est pour ça qu'il nous appelait. Les murs ont bougé. Ah oui, mais lui aussi. D'accord. J'ai compris. Ah mince! C'est la première fois que je me fais électrocuter. C'est bien aussi le truc de l'électrocution... C'était bien fait, cette animation. Merci. Voilà. Ah non, il faut bouger ça, vite. Je pense. Non. Il continue à pousser, l'autre. Ah, ok. Oula. Mario qui brûle au troisième degré. Ok, salut les gars. Je sais pas où aller là. Attendez, je vais aller voir. Hé, le petit Mario 4 tiers, il donne, hein. On dirait pas comme ça, mais ok, une graine, bien sûr. Mais aurais-je... louper une pièce par ici. Maybe. Rebonjour. Rebonjour à toi, mon grand. Wow,
donc j'ai une graine encore et une pièce. Pas simple hein, ce niveau. Ah mais c'est vrai, ah mais non. Ok. Je peux les, bien sûr, je peux les tuer, mais. Bah déjà comme ceci. Ah attendez, quoique. Je vais tester. Je vais tester, on sait jamais. Voilà. Et là j'attends que tu passes. Non, ça fait rien. Mais là, je suis à la fin. Ah, mais c'est l'autre graine, peut-être. Ah, d'accord, ok. Ok. Déjà, en fait, il faut le faire au moins deux fois à ce niveau pour tout avoir. Et puis la pièce. Je présume qu'elle est au niveau de la statue de Bowser. J'aime bien aussi pour rentrer ce qu'il fait. Pour rentrer dans la porte. Enfin, sortir de la porte plutôt. Attendez. Toi, va-t'en. Et donc, c'est la troisième. Troisième pièce. Ouais, il y a des chances. Pour que ce soit au niveau de la statue. Quoique peut-être en haut. Non. Là, je sais plus où ça nous amène. Je sais plus. On verra. On verra. Ah mince, j'aurais dû me serrer de ça. Bon, tant pis. Alors. Mais c'est vrai, mais il y a lui, mais j'oublie à chaque fois. Et là, faut faire attention parce qu'il va me tomber dessus. Voilà. Le vilain, mais il me suit en plus. Hein. Merci. Ok. Ah, mais attendez, peut-être qu'il faut le pousser plus loin. Je sais pas. Je sais pas. Et ça, alors attendez, on va tout pousser. Hein. Poussons tout. Attention. L'autre est où? Il arrive, il arrive. Il est là. Il est là. Heureux, démon vif. Aïe. Non, non, non. Pas maintenant. Oh, purée.
place, elle a bloqué. Il peut plus avancer. Est-ce que je peux passer par-dessus la statue? Je peux pas. Donc ça, c'est une butée. Très bien. Là, je le rappelle, je cherche la dernière pièce violette. Pas où elle est. Du coup, j'ai envie de recommencer. Parce que je pense pas... Non, parce qu'après, on arrive au tout dernier endroit du niveau. Ou alors, il faut... Attendez, je vais essayer quelque chose, quand même. Qui ne tente rien à rien. Voilà, donc là c'est dernière. Excusez-moi. Je vérifie quand même ici, mais non. Alors, je vais aller tout à droite. D'accord, ça je m'y attendais pas. Ce petit bloc caché. Là, il y a des escaliers derrière. Bizarre, hein? Et donc voilà, donc à gauche, hop, je voulais essayer, voir s'il y avait quelque chose au fond. Du coup, je vais retenter le buzzer. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais voir, c'est ça. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien là-haut, enfin je pense pas. Du coup je suis un petit peu loin. Je vais prendre mon temps pour observer par ici. Allez, c'est reparti. Ouais, d'accord. Ah oui, toi tu vas m'embêter, bien sûr. Bah, pour l'instant, je vois rien. Quelle force, oui merci. Et ça, ça peut me servir à quoi, par exemple? J'ai tapé dans quoi? Ok. Et là où il y a... Vous voyez? Ah, mais ok, j'ai pigé. Je crois avoir compris. Oh là là! Allez-vous-en, vite, partez. Oui, oui, tout à fait, tu crois savoir, mais c'est ça qui est intéressant aussi, quand vous l'avez fait. Je sais pas, j'ai poussé... Ah, mais j'ai poussé trop tard.
Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là. Et du coup, en plus, je voudrais mourir. Superbe. Allez. Le petit Mario au format 4 tiers qui essaie de contrer la statue géante. Et le, j'ai pas le nom de ces. Tu le connais le nom de ces créatures démons vifs, celles qui poussent. Ah mais c'est les poussumos. Ah mais oui, c'est un jeu de mots pour sumo et pour pousser, mais bien sûr, les poussumos. Mais oui. Donc là, je suis à force égale. Si je fais ça. Non. Pas à force égale. Peut-être qu'il faut l'éléphant. Ah mais d'accord, je recommence en petit Mario. C'est pas très sympa. Mais j'avais pas vu. Enfin, j'avais pas fait attention. J'étais focalisé sur la gauche. Je connais par cœur maintenant ce niveau. On va voir, mais je crois pas hein, que. Bah, je sais pas s'il y a plus de force avec l'éléphant ou non. Donc là, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible à droite, de ramener les plateformes et de voir ce que ça peut me faire, si ça sert à ça, bien sûr. Allez, pousse. Lui, mais comment je pourrais le... Ah mais oui, faut le devancer. Et voilà, mais bien sûr. Et bien sûr. Voilà, faut être le plus rapide possible. Et ça d'ailleurs... Peut-être qu'il faut pas que je le pousse, j'en sais rien. On verra. Toi, tu vas là. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Pas du tout jusqu'où je dois pousser. Peut-être que je suis allé trop loin. Oh non. Ah, c'est pas ça. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre que je puisse ramener ça à fond. Mais ou alors il fallait pas que je fasse tomber l'autre plateforme. Je sais pas, je pense qu'elle est par là. Parce que ces plateformes-là en soi n'ont pas lieu d'être, enfin n'ont aucune utilité vraiment. À part peut-être pour récupérer une pièce. Il faut que je pousse peut-être encore plus à gauche. Il y a des chances. Ah mais non, alors il faut que je tombe... En fait c'est pas un trou là-bas. Peut-être. Salut Lou. Ça va?
Ah, mais vous savez quoi? Je vais tenter, je vais encore tenter des choses. Je vais très bien, je te remercie. Tu t'es entraîné un petit peu à MK8? Depuis. C'est quand qu'on s'est vu? Ah, bah samedi soir, tiens. Pour la soirée des filles. Ah oui, mais. Ah, t'as une tendinite du pouce? Ah, c'est clair que. Mario Kart ne participe pas à la guérison d'une tendinite du pouce. C'est sûr. Alors, petite pause alors en ce moment. Histoire de revenir en pleine forme. Allez, on repart pour ce petit bout de niveau. Allez, dépêche-toi. Pas de soucis, démon vif. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard. Les murs ont bougé, tout à fait, les murs ont bougé. Alors, lui, je vais le laisser là. Et je vais voir ce que ça donne si je pousse tout, déjà. Ah non, mince. J'ai l'impression qu'il pousse moins fort, Mario. Oui, tout à fait, c'est Super Mario Bros. Wonder, le dernier. Et là, il est bloqué. Il bloque sur quoi? Non! Ah là 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 là! Je sais pas où est cette pièce. Au pire, ce qu'on va faire. C'est pas grave, il y a d'autres niveaux dans lesquels je dois retourner. D'anciens niveaux, on fera ça tout à la fin. Je fais le jeu à 100%, donc on prendra le temps. Je le trouve absolument splendide. Au niveau décor. Au niveau gameplay, au niveau ludique, tout, au niveau son, il est génial. Il est génial, regarde d'ailleurs, petit Mario en format 4 tiers est extrêmement puissant. Tu y as déjà joué, Lou, à celui-là? Il vaut le coup du coup? Tout à fait, il vaut le coup du coup. Ouais, il vaut vraiment le coup. C'est pas pour rien que beaucoup le disent meilleur Mario 2D. Parmi tous les Mario 2D. Et je suis d'accord. Même si chacun a ses qualités, il n'y a pas de souci, mais celui-là... Il y a tellement de choses différentes à faire, en fait. C'est pas que des niveaux comme ça. Enfin, là, c'est un niveau d'ailleurs différent. Il y a des choses différentes à faire. Des autres niveaux, il y a des niveaux où c'est vraiment que de la recherche, enfin c'est très complet et très amusant. Ah, t'as eu un bug aussi. Mais tout le monde a des bugs en ce moment. Oh là, pardon, j'ai donné un coup dans mon micro. Hop. J'en ai eu aussi hier pendant mon live. Bon, je vais... Voilà, on passe à un autre niveau. C'est pas grave, je reviendrai ici plus tard. Du coup, Balou, désolé, tu arrives pendant que je vais... Enfin, au moment où je vais prendre une pause de 10 minutes. Voilà. Donc si tu veux rester, pas de souci. Je reviens dans 10 minutes. Et on continue la seconde partie de soirée sur Super Mario Bros. Wonder. Je vous dis à tout de suite.